Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale qui peut peut-être aussi vous déplaire, tout simplement parce que peut-être que vous êtes créateur de cette méthode-là, peut-être que vous en avez et que vous souhaitez le garder, et je ne suis absolument pas contre. Chacun fait ce qu'il veut. Tout simplement, je voulais mettre à jour les dérives de cette méthode et voir les excès et peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, que vous soyez créateur ou que vous soyez porteur ou que, voilà, vous intéressez tout simplement au sujet, mettre en lumière les petites choses qui sont subtiles et qui font comprendre qu'en fait c'est pas forcément la meilleure méthode. Donc aujourd'hui on va parler des chemins de vie. À tout de suite. Donc voilà, les chemins de vie, c'est quelque chose de complexe qui utilise donc des méthodes de calcul pour arriver à avancer sur notre destinée finalement, en partant du point d'aujourd'hui, de voir de notre naissance, pour aller jusqu'au cheminement de notre vie. Première incohérence, il existe plusieurs méthodes de calcul. Il existe la méthode de calcul que moi j'ai appris en formation, A égale 1, B égale 2, C égale 3, et ainsi de suite jusqu'au Z. Chaque lettre, un chiffre. Mais il existe aussi la méthode qu'on appelle l'alphabet de Tripoli, qui est souvent utilisée en numérologie, arithmancie, donc numérologie moderne, etc. Ça a été inventé en 1350 par monsieur forcément Tripoli, et il a été utilisé juste dans le but de la numérologie. C'est-à-dire que A égale 1, B égale 2, C égale 3, I égale 9. Et on repart à 1 avec le J, K égale 2, etc. Donc ça, c'est l'alphabet de Tripoli. Il existe donc ces deux méthodes-là, et on ne sait pas laquelle est réellement juste. On ne le saura finalement jamais aussi. J'ai commencé, moi, à partager ce que j'ai appris en formation sur l'autre méthode, donc pas sur l'alphabet de Tripoli, mais sur l'autre, un chiffre, une lettre. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert qu'il existait plus de méthodes que ça pour le calculer. Alors, ce sont des calculs qui sont assez complexes, hein. Par exemple, si on prend la pierre de base, c'est la somme des premières lettres des prénoms et des noms. Donc, on prend les premières lettres. Alors, moi, par exemple, c'est Audrey, donc A égale 1, et on les met en chiffres. Et après, on fait un calcul. Donc, quand ça dépasse avec l'alphabet de Tripoli, 9, on réduit, donc 10, on fera 1 plus 0, ça fera 1, et ainsi de suite. Si on arrive à 73, ça sera 7 plus 3. Et sur la méthode, l'autre méthode, ça sera quand ça sera supérieur à 33. Puisque y a 33 pierres dans cette. On l'a transformé, cette numérologie-là, qui n'est pas vraiment de la numérologie, parce que ça n'existe pas vraiment en numérologie, tout ça. Ça a été transformé pour être utilisé en lithothérapie. Alors, je suis désolée, je vois que l'image est un petit peu floue sur le retour. Donc, ah, ça y est, la mise au point, c'est faite. Donc, il existe comme ça des petites subtilités à ce mode de calcul. Déjà, on ne sait pas laquelle est réellement utilisée, laquelle est la bonne. Ensuite, il existe d'autres méthodes aussi qu'on utilise souvent en salon des minéraux, du bien-être. On vous propose de calculer votre chemin de vie, donc on vous fait trois calculs gratuitement. Et si vous voulez la suite, il vous faut payer. Et après, il vous faut payer aussi pour le bijou. Donc là, vous payez doublement. On vous dit à quoi ça correspond, etc. Mais encore une fois, on ne sait pas pourquoi les pierres, par exemple, je ne sais pas moi, pourquoi une pierre a été choisie pour un numéro. La première méthode que j'avais appris, l'utiliser le mercure, le sel, enfin des choses qui sont impossibles un peu dans un bracelet par exemple, et porter du mercure sur soi, c'est quand même pas terrible. Donc il y a encore des petites incohérences à ce niveau-là. Et après, dans une autre méthode que j'ai appris aussi en formation, pas forcément sur les chemins de vie, hein, mais sur la lithothérapie, on avait remplacé ces pierres, entre guillemets. On les avait remplacés par des pierres qui étaient moins toxiques et aussi plus facilement trouvables, parce que du mercure en bracelet, bah, c'est compliqué quoi. Donc j'en connais qui ont démonté les thermomètres, ils ont utilisé le mercure qui était à l'intérieur pour le porter sur soi.
Mais bah, il y a quand même la dangerosité que ça casse parce que c'est quand même fragile et tout ce qui va avec, quoi. Donc, bon, voilà les premières subtilités de cette méthode. Donc, on ne sait pas vraiment déjà de base quel calcul utiliser pour arriver à calculer son chemin de vie. En sachant que le chemin de vie comprend la pierre de base, une pierre de sommet, la pierre de chemin de vie, la pierre d'appel, la pierre de personnalité, la pierre d'expression, la pierre de vœux et la pierre de touche. Donc il y a 8 pierres qui viennent composer un chemin de vie. Ce qui est quand même beaucoup d'énergie d'un seul coup. Là encore, alors déjà ces 8 pierres, on ne sait pas, comme je disais tout à l'heure, comment elles ont été adoptées par un numéro. Il n'y a aucun écrit, du moins j'en ai trouvé aucun, et en discutant avec des professionnels, personne n'a su vraiment me dire non plus. Donc il n'y a aucun écrit qui dit que cette lettre correspond, enfin ce chiffre correspond à cette pierre-là. Bien qu'il y a une possibilité de savoir, c'est en utilisant d'autres méthodes. Et pour avoir essayé déjà, on n'arrive pas du tout à ces pierres-là. Elles apporteraient tous quelque chose donc sur notre destinée, c'est-à-dire que de notre naissance à notre fin de vie, on a tout un tas de périples finalement. Et ces pierres-là viendraient nous aider à s'accomplir tout au long de notre vie. Alors, oui. Mais ça fait quand même beaucoup comme d'énergie, comme je disais tout à l'heure. Il y a quand même 8 pierres qui peuvent être complètement différentes. Il y en a qui peuvent être identiques. Souvent, on en a 2 identiques. C'est rarement plus dans les calculs. Donc, bah, on a quand même. Allez, on va dire 7 pierres, parce que du coup, on va estimer qu'il y en a 2 qui sont pareilles. 7 pierres complètement différentes, alors que de base, elles ne vont peut-être pas vous convenir. C'est 7 fois plus de chances d'avoir 2 pierres complètement bah, qui ne viendront pas vous aligner finalement, et quelque chose qui est aligné chez vous, que vous portez une pierre, bah, vous allez être décalé. Donc vous allez porter un bijou sur vous, composé de, on va dire, 8 pierres en gros, et là où vous êtes bien centré, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, je pense que j'ai le chakra de la gorge qui il est un petit peu trop ouvert, mais voilà. Si je porte une pierre. Alors, soit il va être réaligné si je suis à côté, soit il va être réaligné, soit si je suis aligné, il va se décaler au niveau énergétique. Donc, je serai à côté et c'est là où ça pose problème. Les 8 pierres, c'est énorme. C'est énorme au niveau énergétique. Vous vous rendez compte, vous envoyez à votre corps 8 signaux différents en même temps. Et surtout, ce que vous aviez besoin hier pour solutionner quelque chose où vous étiez pas bien, je veux dire au hasard, hein. Vous êtes victime d'une rupture amoureuse, donc vous avez un chagrin d'amour, vous prenez une pierre. Peu importe, ça va dépendre de vos émotions, ça va dépendre de plein de choses. Alors pour ça, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Mais de base, on va dire, ça va dépendre de plein de choses. Vous avez donc un chagrin d'amour. Admettons, c'est la rhodochrosite qui vous convient. La rhodochrosite va venir vous aligner. Sauf que du coup, vous portez votre bracelet chemin de vie. Et à côté de ça, sur votre bracelet chemin de vie, vous avez complètement des pierres opposées. Parce qu'à un moment donné, vous aviez besoin, votre chemin de vie vous dit, vous avez besoin d'expression. Donc vous avez de l'aigmarine, admettons. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucun problème d'expression. Votre sentiment à vous aujourd'hui, c'est cette rupture amoureuse qui vous cause du souci. Donc, on va plutôt partir sur une pierre dont vous avez besoin aujourd'hui, plutôt qu'une pierre que vous aviez besoin peut-être avant pour solutionner ce manque d'ouverture de votre chakra de la gorge. Bah, aujourd'hui, c'est votre cœur qui est refermé. Donc, on va pour l'ouvrir. Bah, la gorge, en fait, on s'en fout. C'est pas la gorge aujourd'hui qui pose problème, c'est le cœur. Et vous allez avoir en plus peut-être un, je sais pas moi, chemin de vie, jaspe, moquaïte, améthyste. Vous allez avoir de la citrine qui est vrai quand même. Maintenant, c'est encore plus qu'avant. La citrine, il faut dire qu'elle est, je dirais, à 95% contrefaite. Donc, à la rigueur, ça n'est pas plus mal, hein.
Mais bon, vous allez avoir du coup des fausses pierres, de l'ambre. Alors, de l'ambre à paillettes, ça n'existe pas, hein. Mais voilà, j'en vois sur les chemins de vie aussi. Donc, vous allez vous retrouver avec de l'ambre, qui est de la fausse ambre, de la fausse citrine. À la rigueur, c'est un bracelet déco. C'est plus un bracelet utile en litho qui sera chemin de vie. Ça sera un bracelet déco de tous les jours. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas contre que vous portiez un chemin de vie à ce moment-là, mais en vert. Vous allez utiliser plutôt les couleurs. Je ne me souviens plus du terme de l'utilisation des couleurs. Ça va me revenir, mais pas tout de suite en tout cas. Vous allez utiliser plutôt les couleurs du coup qui sont associées à ce chemin de vie plutôt que les vertus de chaque pierre. Alors, je sais que vous êtes peut-être créateur de chemin de vie, que vous le proposez peut-être à vos clients, mais voilà, il faut quand même être conscient qu'il existe plein de méthodes différentes, qu'on ne sait pas comment ont été choisies les pierres avec le numéro, et que qu'il y a des pierres qui sont fausses, il y a des pierres qu'on ne trouve quasiment plus, comme la citrine, c'est pratiquement introuvable. Et là, on me dit, mais par quoi je le remplace dans un bracelet chemin de vie? Et je réponds à cette question, remplacez-le, par un bracelet dont la personne a besoin aujourd'hui. Pas un bracelet qui pourrait lui convenir dans 3 semaines, dans 1 an, dans 10 ans. Parce que sur le bracelet chemin de vie, c'est le principe, c'est qu'au bout d'un moment, on a fait notre preuve sur quelque chose et donc on va avancer sur autre chose. Alors ça c'est pareil, il y a aussi l'ordre des pierres. Je pars du principe que par exemple sur un chemin de vie, on a un début et une fin. Et il y en a qui vont mettre une pierre de un tel, une pierre de un tel, une pierre de un tel, une pierre de un tel. Et ils repartent, une pierre de un tel, une pierre de un tel, etc. Donc il y a une couleur différente entre chaque pierre en fait, ça fait je sais pas, jaune, bleu, rouge, violet, et ainsi de suite, jaune, bleu, rouge, violet, et il y en a qui sont plus comme moi, qui vont dire par exemple que la pierre de base, admettons aigle marine, vous allez mettre 3 perles d'aigle marine, et après vous allez avoir la pierre de sommet, 3 pierres de citrine qui est introuvable aujourd'hui. Et ensuite, il y en a d'autres qui vont dire, on va mettre les 3 pierres de chemin de vie. Enfin voilà, il y a au moins un début et une fin. Après, c'est la façon dont j'ai appris ça. Vous pouvez les réaliser. Il n'y a aucun problème si quelqu'un vous demande un bracelet chemin de vie. À partir du moment qu'on est conscient que c'est peut-être la bonne méthode ou peut-être pas. On ne le sait pas aujourd'hui, on ne le saura pas demain non plus. Vu que la litho n'est pas non plus quelque chose de reconnu, si on suit les scientifiques, la numérologie, c'est pas reconnu non plus. Si je prends le chemin de vie qui est la somme de notre date de naissance, donc là qui existe en numérologie réellement, on va calculer notre chemin de vie et on va dire par exemple par rapport à mon chiffre, peu importe, personne qui cherche la créativité, qui a besoin d'accomplissement dans sa vie. Mais on a tous besoin de créativité et d'accomplissement dans notre vie, donc ça va convenir à tout le monde. Voilà ce que les scientifiques, eux, comment ils voient la numérologie et l'astrologie. Après, d'un point de vue lithothérapie, j'estime que c'est un peu séparé de la numérologie et de l'astrologie, pardon. On va être sur des choses complètement différentes. L'astrologie et la numérologie, ce sont des méthodes pour cerner une personne, peut-être pour aller au fond des choses. Alors, j'y connais absolument rien, donc je ne vais pas en débattre. Enfin, si, j'y connais un tout petit peu, mais pas suffisamment en tout cas pour approfondir avec vous les choses aujourd'hui. Mais en tout cas, tout ce qui est lithothérapie, c'est là pour soutenir une aide, apporter quelque chose en plus, en sachant que ce n'est rien de médical. On n'est pas médecin, on n'est pas dans le médical, on n'est pas dans le dire d'arrêter les médicaments, au contraire, on est là justement pour dire allez voir le médecin, et par rapport aux analyses de sang, on verra ce que vous avez, le médecin vous dira les problèmes que vous avez, et nous après on pourra vous aider à travailler dessus. On arrive nous à la fin. On va d'abord voir consulter un médecin, on fait ce qu'il nous demande, et ainsi de suite. Et ensuite, on vient voir un lithothérapeute pour qu'il nous aide justement, en plus de ce qu'on a été prescrit,
peut-être pour des effets secondaires de chimiothérapie par exemple, peut-être pour venir nous soutenir dans une dure épreuve, peut-être pour le chagrin d'amour que je disais tout à l'heure. Ça va venir aider, mais ça ne réparera rien, ça, si ce n'est notre, à la rigueur notre âme. On est dans la spiritualité, donc c'est encore quelque chose à part. Tout ça pour vous dire que le chemin de vie, faites attention quand même, entre les fausses pierres et les vraies pierres, il n'y a pas de souci, mais le nombre de pierres, les méthodes de calcul toutes différentes, ça fait quand même, et le savoir pourquoi ce chiffre-là correspond à cette pierre-là, ça fait quand même beaucoup d'interrogations dont on ne sait pas répondre aujourd'hui. Donc, mon avis personnel aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être, tout simplement, ne prenez pas de chemin de vie, allez plutôt sur un bracelet dont vous avez besoin, et le créateur pourra sûrement vous conseiller. Peut-être, parce qu'il y a des créateurs qui n'y connaissent rien en lithothérapie. Ils font le chemin de vie, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est à la mode, un peu comme la lithothérapie d'ailleurs. C'est quelque chose qui est à la mode, on commence à en parler de plus en plus, et ça attire de plus en plus. Un bracelet chemin de vie, ça peut être très joli, mais ça restera juste joli. Réfléchissez bien à tout ça, en tout cas. Il n'y a rien, je n'ai rien inventé, ce sont que des méthodes qui existent réellement, enfin qui existent, qui sont utilisées en tout cas aujourd'hui, et sans avoir de fondement de base. Malgré toutes les recherches que j'ai pu faire, je n'ai rien trouvé. Donc voilà pour le chemin de vie, j'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer. Si vous en portez un et que vous vous sentez bien, bah, très très bien. Si vous en portez un, mais que enfin vous voyez que vous n'êtes pas très bien tous les jours en tout cas, essayez de le retirer, vous verrez. De toute façon, ça ne coûtera rien de l'enlever, de le poser dans une boîte à rigueur hermétique, de vous couper le lien avec lui. Vous voyez pendant quelques jours, si vous vous sentez encore plus mal, reprenez-le, il n'y a rien. Je n'empêche en rien du tout de l'utilisation du chemin de vie, comme je n'empêcherai pas les créateurs de le faire. Tout simplement, je dis que je préfère conseiller sur quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui plutôt que quelque chose qu'on aura besoin hier et plus forcément aujourd'hui, ou prévoir quelque chose qu'on aura besoin, on se trouve, dans 10 ans et pas aujourd'hui non plus. Tout en sachant qu'il y a quand même des étapes à franchir dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Voilà pour cette vidéo sur le chemin de vie. Alors je suis désolée, elle est peut-être un petit peu longue, mais je la trouvais quand même nécessaire parce que de plus en plus on me demande mon avis, on me demande par quelle pierre remplacer dans le chemin de vie cette pierre-là, etc. Donc il me paraissait important que vous le sachiez, que vous sachiez exactement tous les problèmes que ça peut rencontrer, et au moins j'espère que ça pourra vous aider dans la vie de tous les jours. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.